Dans cette capsule, on va regarder un exercice fort imposant physiquement, mais qui va combiner agilité et technique d'attraper pour les joueurs d'avant-champ. On va utiliser une échelle. Et ce qui est bien important dans cet exercice, c'est de garder les pieds en mouvement, mais surtout rester bas avec notre corps et aller chercher la balle comme il se doit. Bon, évidemment, on peut le faire du côté du revers ou du côté du gant. Dans ce cas-ci, on va commencer avec le revers, avec un joueur qui va donc combiner cette agilité-là. Il va remettre la balle rapidement et il va continuer tout au long de l'échelle. Voici un exemple. Alors, excellent mouvement. On continue, on attrape la balle avec un geste qui ramène la balle toujours vers l'avant. Des pas qui sont courts et on devrait avoir mal aux cuisses une fois que cet exercice est terminé. L'exercice, évidemment, se fait de l'autre côté, donc du côté du gant, mais évidemment, ce sont les mêmes défis. Donc, rester bas, rester agile dans ce que l'on fait et évidemment, de toujours être actif avec nos pieds. Voici un exemple encore une fois. Alors, on reste actif, on ramène la balle toujours vers le centre un peu, voilà, on reste bas, ce qui est très, très, très important. On ne lève jamais et on continue jusqu'à la fin de l'échelle. Encore une fois, si on fait l'exercice comme il se doit, on devrait sentir ça dans les jambes. Excellent.